maintenant, voyons-le venir. À l'instant, je veux en finir. Allons-y. Le voici. Pour l'ordon, mademoiselle, je vois clairement que vous n'êtes pas rebelle à mon sentiment. Oh, permets-tu ? Aucunement. Je vois bien qu'à mon sentiment vous correspondez carrément. Aucunement. Comment ? Aucunement. C'est étonnant. Aucunement. C'est étonnant. Tout à l'heure devant ma mère, j'ai faim d'oxyder mon vœu pour ne pas lui déplaire. Mais maintenant, entre nous deux, je vous dis d'une façon claire que si je suis, oui, si je suis de votre goût, vous ne me plaisez pas du tout. Hein? Non. Vous ne me plaisez pas du tout. Vrai, mais elle me va beaucoup. Si donc je deviens votre femme, c'est contre mon gré. Bravo! C'est contre mon gré. Cet obstacle m'enflamme. Cet obstacle m'enflamme. Et je le vaincrai. Alors par la vie fort sage, je vous préviens que j'ai mon plan. Le jour de notre mariage, je vous prends de poignard au flanc. Quoi? Je vous prends de poignard au flanc. Vistre, c'est trop de résistance. J'en voulais, mais sans violence. Vous êtes, je crois, prévenu. Et mon cœur vous est bien connu. Un poignard, ah, je n'y crois guère. Vous voulez m'effrayer ainsi. Montrez voir un peu. Le voici. Elle l'a bien ici. Qui manque, et qui me manque personnellement, l'ambiance du carnaval avec des confettis, tout ça, les chars, les têtes. Mais l'espingot est un panon, on avertit toutes sortes d'amis, et voici justement les masques et tout qui font, on a pensé à tout, qui font irruption. Et ce n'est pas le carnaval de Venise, c'est le carnaval de Paris. Nous allons entendre la ronde du Mardi Gras. Dieu bouffi de la folie, bon et joyeux Mardi Gras. Dieu bouffi de la folie, bon et joyeux Mardi Gras. On veut notre voix de prière, reste-nous, ne t'en va pas. On veut notre voix de prière, reste-nous, ne t'en va pas. Tu vas fuir,
pleine.